Et bonjour à tous, jeuxvideo.com, bienvenue ce soir. Nous sommes jeudi soir, et le jeudi soir, a priori, on mène l'enquête. On a mené notre enquête, jeudi on est bien soir. Jeudi soir. On aime bien mener l'enquête quand même. Alors, je suis accompagné d'un étrange énergumène qui s'appelle, au demeurant, Logan, sur jeuxvideo.com. Bienvenue à toi, Logan. Tu as eu l'immense honneur de tester cette magnifique version de Sherlock en exclusivité France. France, ouais. Exclusivité intergalactique, on peut le dire. Ouais. Puisqu'il n'y a que 3 médias au monde qui ont eu accès à cette version. Dont nous. Un Américain et un Allemand. On cherche encore les noms. Voilà, on cherche les noms pour mener quelques actions. Ouais. Mais nous ne serons pas tout seuls, puisque vous pourrez poser vos questions et réagir durant ce live, puisqu'il y a la sublime Néphény qui sera là pour relayer vos questions. Comment tu vas ? Mais je vais bien, merci, et toi ? Ça va, impeccable, merci. Alors ce soir, je serai accompagnée de The Mentalist et Lorient 56 pour m'aider à traiter des questions, voilà, sur le hashtag Gaming Live et via le chat IRC. Superbe, bon, on les remercie. En tout cas, Logan, tu vas pas spoiler, tu vas éviter de ne pas spoiler. On va essayer. On va essayer de ne pas spoiler. Et il faut également qu'on vous prévienne d'un truc, c'est qu'apparemment, notre modem 56K a quelques problèmes en ce moment. Donc, on risque d'avoir quelques coupures, malheureusement. Mais rassurez-vous, l'intégralité de ce direct sera rediffusée demain. Voilà, si jamais, du coup, il y a des petites coupures et que vous voulez voir l'œuvre en intégralité, n'hésitez pas, revenez demain. La VOD sera dispo dès le matin. Quant à moi, je vais enlever ces lunettes et tu vas pouvoir jouer. Ouais. Mon cher Logan, tu ne vas pas spoiler puisqu'on va montrer le premier chapitre. Enfin, après, je ne vais pas spoiler. Si, forcément, je vais spoiler puisque de toute façon, le jeu... Tu as bien révisé mon petit panta, ça fait bien plaisir. Sûr. Le jeu est composé en fait de 6 affaires. Mm-hmm. Donc ça, c'est une première en fait dans la série. Puisqu'on va commencer par le commencement d'ailleurs. En fait, bien donc, évidemment. Le jeu donc, est toujours développé par Frogwares. Frogwares. Donc qui en est à son 7e Sherlock quand même. Ils font que ça depuis 7 ans. Donc il y a quand même une grosse évolution dans la série. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est un jeu hein, qui est prévu sur PC, PS4, Xbox One, 360 et PS3 pour le 30 septembre prochain. 30 septembre, d'accord. Voilà. Et donc comme je disais, donc, par rapport au précédent épisode, donc, ce jeu ne propose pas une affaire, mais 6 affaires. Donc là, forcément, on va vous spoiler, malheureusement. Alors je vais essayer de ne pas vous montrer en fait, la résolution du cas. Eh oui. Puisque, donc là en fait on est dans le chapitre 1, j'ai déjà joué un tout petit peu pour vous montrer certaines des nouveautés de cet épisode. D'accord. qui n'en manquent pas. Déjà la première en fait, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt joli puisque c'est le premier épisode qui utilise un moteur graphique qui n'est pas uniquement textuel, oui. Non, qui utilise en fait l'Unreal Engine 3, donc c'est plutôt pas mal. Alors hop, on va. Bah tiens, je vais vous montrer. Baker Street, bien évidemment. Tiens, je vais vous montrer en fait Baker Street. Bien quoi. Évidemment. Bien sûr. Résidence de Sherlock Holmes. Ouais. Qui habite au 256B. Voilà. Baker Street. À droite, Baker en fait, Street. Quand vous montez à la rue. Ouais, voilà. Après la pharmacie, vous continuez un peu. Voilà, et c'est sur voilà, la gauche. C'est juste entre la pharmacie entre, et le boucher. Et voilà. Le boucher, c'est, voilà. C'est exactement ça. Absolument. Et quand tu te déplaces, tu es en chariot. Oui. Je suis en calèche. En calèche. Voilà, donc là, vous reconnaissez bien évidemment hein, donc le célèbre appartement de Sherlock Holmes. Bien évidemment. Ah tiens, je vais te faire plaisir. Tu peux mater tes voisins qui se changent en face. Ouais, bah tu vas pas être déçu, attention. Ah, superbe. Là, ça me fait plaisir. Expressément pour toi, mon petit pote. Oh, sublime. Je savais que ça t'aurait plu. Je savais que ça t'aurait plu. Ah là, tu m'as touché à l'endroit sensible. Voilà, donc on peut précisons bien évidemment parler aussi à Watson. Hein. À quoi sert-il, Watson ? À ne répondre uniquement. C'est là, durant ce premier cas, j'ai l'impression en fait, qu'il ne fait que regarder le journal. D'accord. En buvant en fait, son thé. Rien, en fait. C'est un emploi fictif. Il ne fait pas grand-chose. Donc, on va quand même vous montrer. Hein, donc, le, hop. Alors, graphiquement, le reste. J'ai une petite question, ouais. Là, graphiquement. Je vois qu'il y a beaucoup d'aliasing sur les rideaux. Précisons peut-être que cette version n'a pas d'option graphique. Non. Tu ne peux rien paramétrer à part le gamma.
Ouais, à part le gamma, donc je ne sais pas en fait si ce sera résolu dans la version finale, enfin si tu auras plus d'options, tout j'espère, simplement. J'espère, personnellement. Hop, on va passer en vue subjective, parce que c'est quand même un petit peu plus jouable en vue subjective. Ah oui. Bon, ça c'était déjà le cas dans les précédents épisodes, donc il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. C'est sympa, bon. Moi j'aime bien ces petits point and enfin, l'esprit c'est d'un pas un point and click. L'esprit d'un. Ouais, ouais, c'est pas un point and click. Les tout premiers Sherlock Holmes c'était des point and click. Là, oui. On est vraiment en fait dans le jeu first d'aventure. First person adventure. Voilà, exactement. Ou en first person ou en first person. Voilà. Personne, c'est selon. Donc alors attends, que je regarde quand même, parce que là comme je vous dis, j'ai un tout petit peu avancé pour vous montrer notamment le système de déduction, j'y reviendrai tout à l'heure. On peut déductionner. Comme alors, tu veux. Dans ces grandes lignes, on va dire en fait que la façon de résoudre une enquête est toujours la même, hein, enfin est identique en fait par rapport à celle des précédents, c'est-à-dire en fait qu'on navigue, comme tu peux le voir, entre différents lieux londoniens pour recouper des indices, etc. Donc là, alors, là, vous pouvez voir aussi le système d'inventaire donc, qui a subi on va dire, une petite refonte graphique. On retrouve toujours aussi donc, les dialogues donc, qu'on a déjà. C'est bien ça. Voilà, hop. On tu déjà peux aller bien. À Whitechapel ? Non, tu peux pas aller à Whitechapel. Enfin, on a été à la boucherie de Whitechapel. C'est là où on a commencé ce GL. Ah, d'accord. Pour faire une petite expérience. Donc, je vous dis pas en fait ce qu'on a, comment on commence l'affaire. Hein, comme ça, au moins, bon, si je vous spoil, je vous spoilerai uniquement la fin. Du moins plus important. Donc, non, je vais quand même pas essayer en fait, de ne pas vous montrer en fait, le coupable. Même si, ce qui est très intéressant en fait, dans cet épisode, c'est que... alors, tiens, je vais vous montrer tout de suite. Tiens. Tac, hop, on va revenir. Tac, on appuie sur B. Voilà, donc, en fonction en fait, donc, de l'avancée de ton enquête, tu peux avoir différents indices. Mm-hmm. Et en fonction de ces indices, donc tu as des indices ici, d'accord. Et tu vas pouvoir les relier. Tu vois, bon là par exemple, je ne suis pas certain, alors attends que je regarde ce que j'ai, là je pense que non, il n'y en a aucun en fait qui sont reliés. Voilà, tu vois, en fait tu peux pas en lier, mais bon, ce n'est pas bien grave. L'idée en fait, c'est que donc, quand tu as des indices en fait que tu peux relier, donc ça t'amène, alors hop, à ça. Mm-hmm. Et là en fait, tu vas pouvoir en fait déductionner, si je puis dire. Ah, d'accord. Alors, ce qui est intéressant... Il faut combiner deux indices. Il faut combiner toujours deux indices, effectivement. Donc après, tu arrives donc à ces sortes de synapses, si je peux dire, mm-hmm. qui vont se relier donc à la fin de l'aventure pour pouvoir bah, conclure. Donc, mais avant ça, donc tu vois, en fait, là, par exemple, j'ai eu suffisamment d'indices et là, je peux émettre, j'ai le choix entre deux hypothèses. Donc, tu là, peux te gourer. Je peux me gourer. Ah. Je peux me gourer. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'en fait, à la fin donc, de, bah, du chapitre 1, en l'occurrence, de chaque affaire, tu vas pouvoir, donc tu as bien évidemment plusieurs suspects, et tu vas pouvoir, ruiner la vie d'un parfait innocent et laisser un total criminel exactement. En liberté. Ou effectivement, bien évidemment. Est-ce que ça a une incidence après sur les affaires suivantes ? Et ben justement, ça tu ne peux pas le savoir vu que tu n'avais que le premier chapitre, non ? On a eu en fait que le premier chapitre. D'accord. Alors à la fin du premier chapitre, alors attends, hop, je vais quand même aller à Scotland Yard puisque c'est là que je dois y aller. Enfin, que je dois aller, pardon. Oui, donc à la fin en fait, donc, de la première affaire, donc, moi j'ai émis mes petites hypothèses, tout ça, etc. Ouais. Y a une personne en fait, qui a été jugée coupable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la toute fin, tu as également aussi un choix moral. Donc, c'est-à-dire que moi j'ai choisi un coupable, tout mm-hmm. simplement. Et après, en fait, donc, suivant des circonstances que tu peux juger atteignantes ou pas, tu vas pouvoir, entre guillemets, l'absoudre ou pas. D'accord. Voilà. Après, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire en fait, si ça aura une incidence sur les autres affaires. Mais ce qui est intéressant, ce qui est marrant, on va dire, entre guillemets, c'est qu'une fois que tu as fait, en fait ces deux choix, finalement, donc le choix en fait, du coupable et le choix en fait, moral, mm-hmm. Tu as les pourcentages en fait, des joueurs. Donc un peu là, The Walking Dead, par exemple, oui. Tu vois. Et elle est noire aussi, qui fait ça. Ou elle est noire. Elle est noire le faisait ? Elle est noire le fait sur PC ah, d'accord. aussi. Ouais. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Le fait bah voilà, de pouvoir te tromper est assez sympa en soi. Alors ça, c'est quand même la grosse nouveauté. On a une petite question, peut-être. Oui, alors I Need Something demande si la vue à la première personne est bloquée ou si on peut alterner entre les deux vues différentes. Non, on peut alterner, comme je l'ai montré tout à l'heure. Hop, là, qu'est-ce que tu presses, en fait ? Tu presses juste une touche. Voilà, tu presses une touche, en fait, tout simplement. Et tu peux passer, tu peux switcher comme tu veux, en fait, hop, de la vue troisième personne à la vue première personne. Mais encore une fois, bon, c'est quand même plus jouable. Hein, c'est quand même plus jouable sur, à la première personne. Alors, tu as des systèmes aussi. Alors ça, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec ce personnage-là. Non, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, alors, généralement, quand tu es bloqué, comme ça, qu'est-ce que tu dois faire ? Tout simplement, c'est simple. Tu vas dans ton petit calepin, enfin, dans ton petit inventaire. Tu vas ici. Donc, là, en l'occurrence, c'est tous les indices
que j'ai récolté. Et si tu as encore quelque chose à faire avec un indice, tu vas avoir en fait un petit picto. Donc tu vas avoir un petit picto qui est lié. Alors je pense que je pourrais vous montrer ça un tout petit peu plus tard, mais tu as un petit picto donc qui t'indique en fait que c'est lié à un dialogue, lié à une interaction tout simplement, ou quelque chose en fait que tu dois faire, une interaction avec un autre personnage. D'accord. Et sinon, donc hop, on va aller. Alors attends, c'est ici, je crois. Voilà. Donc interroger, examiner les effets personnels. Ok. Donc là, c'est bien. Hop, c'était bien Scotland Yard qu'il fallait que j'aille. Donc on va tout de suite aller. Est-ce que c'est dur comme jeu, enfin, est-ce qu'il y a un non-initié des point and click et des first-person adventure saura trouver son... Non, honnêtement, la première affaire, donc celle que je vous montre, oui, elle est simple. D'accord. Elle est vraiment simple, peut-être un peu trop simple. Par rapport à la première affaire des anciens... Bah, en fait, la série, elle a vraiment subi une... Enfin, subi... Elle a profité, on va dire, en fait... ou subi, c'est selon, une certaine évolution. Mm-hmm. À ce niveau-là, il y a eu certains épisodes qui étaient vraiment, vraiment, vraiment très, très difficiles. D'accord. Les énigmes, en fait, étaient vraiment, vraiment pas évidentes. Enfin, ça demandait beaucoup de recherche, etc., beaucoup de réflexion. Là, c'est vrai que, comme tu peux le voir, c'est quand même plus ludique. Donc moi, je trouve effectivement que cet épisode est vraiment très bon parce qu'en fait, il y a un côté plus agréable, plus ludique. C'est pas vraiment prise de tête. Vous avez quelques mini-jeux. Je pense que je pourrais vous en montrer tout à l'heure. Des mini-jeux ? Des mini-jeux, ouais, mais tu vas voir, en fait, c'est des... t'as un mini-jeu de bras de fer. À un moment, tu dois en fait, t'as une expérience chimique à réaliser. Bon, ça, tu pouvais le faire aussi dans les précédents épisodes. D'accord. Hein. Tu avais ce genre de choses. Sachant que dans cet épisode, je crois que dans le précédent, c'était le testament de Sherlock Holmes. Tu pouvais également le faire. Tu peux les passer, tout simplement. D'accord. Donc, si tu trouves en fait qu'un mini-jeu en fait est trop difficile, tu peux le passer. Donc, ça rajoute encore une fois à la facilité de l'affaire. Bon, rien ne t'y oblige, hein, bien évidemment. Mais encore une fois, la difficulté, c'est davantage de trouver les indices, de les relier entre eux. Et là, en l'occurrence, ben, de trouver tout simplement le véritable coupable. Quoi. D'accord. Voilà. Donc, alors, je vais pouvoir vous montrer aussi, en termes de nouveautés, il y a un système de sixième sens, enfin, une sorte de sixième sens. Ça, je vais essayer de vous le montrer. Alors là, par exemple, attends. Hop, donc ça, c'est bon. J'ai une petite question, mon cher Logan. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué au Sherlock, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la nature des énigmes ? Est-ce que c'est, la nature des affaires, pardon. Est-ce que c'est du surnaturel ? Est-ce qu'il y a des énigmes ou des affaires célèbres ? Je voyais Whitechapel. Est-ce que, par exemple, on va devoir s'attaquer à Jack l'Éventreur ou... Non. En fait, il fait référence d'ailleurs à Jack l'Éventreur dans celui-ci. Mais si je ne dis pas de bêtises. Les anciens épisodes, déjà, c'était en fait tout simplement des histoires originales. D'accord. Donc, qui s'inspiraient. Enfin, donc, effectivement, quand tu as lu Sherlock, quand tu as lu Conan Doyle, effectivement, tu sens l'inspiration de tel ou tel roman. Mais là, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment en fait un scénario original. Donc là, d'accord, en fait, six scénaris, si je puis dire, en fait, originaux. Voilà. Alors là, si c'est assez sympa. C'est une petite nouveauté aussi. Donc, vous pouvez toujours interroger donc les personnes, les suspects, et rebondir sur certaines choses en fait qu'ils vont vous dire. Rebondis sur sa blague à tabac. Donc, je rebondis sur sa blague à tabac. Ne savez pas, une blague à tabac, c'est apparemment un étui dans lequel tu peux mettre c'est du tabac. C'est un étui, tu peux mettre du tabac. Je ne savais pas. Ah oui, bien évidemment, tout le monde sait ça. Blague, c'est beaucoup blague. De personnes savent ça. Alors le problème, c'est que j'ai pas fait attention à ce qu'il m'a dit. Alors attends. Gravure sur l'anneau, ouais. Tac, voilà. Alors, à quoi ça sert en fait tout simplement ce que je viens de faire, c'est que tu peux, bon, si tu n'as pas le temps de passer, enfin d'appuyer sur la QTE, pas suffisamment de temps, à moins en fait d'être vraiment manche, voilà, en fait d'avoir deux, trois mains gauches, il y a peu de chances en fait que tu loupes la QTE. Mais il faut savoir que en appuyant en fait donc sur cette QTE, donc comme je l'ai fait, tu peux rebondir en fait sur ce que la personne vient de te dire. Si, hop, donc je vais à nouveau, tac, tu vois en fait. Je l'ai fait. Par contre, bah tiens, alors là, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il est à moi. Ouais, une petite question. Oui, alors on a le petit crustacé qui demande si les enquêtes sont liées entre elles. Bonne question. Je ne peux pas le dire parce qu'en fait, j'ai accès qu'au premier chapitre, qui est la première enquête. Je ne sais pas effectivement en fait si les enquêtes seront liées entre elles et si du coup effectivement les choix moraux ou les choix en fait qu'on va faire, bons ou mauvais en fait, auront une incidence quelconque sur les enquêtes suivantes. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Le précédent Sherlock, c'était lié ou... Du tout, non, le précédent Sherlock, d'accord, en fait, c'était qu'une affaire. Ah oui, il y avait qu'une affaire. Donc dans tous les cas, il n'y avait pas ce problème. Oui. Alors, attends, donc là, par contre, je vais essayer de prendre en fait une mauvaise... Attends, il est à moi. Blague à tabac. Je vais son gravure sur l'anneau. Là, par exemple, attends, si je mets blague à tabac, par exemple, voilà. Ah. Je vais juste en fait vous montrer, voilà, vous avez choisi en fait, donc on a choisi en fait la mauvaise réponse.
Et donc, vous allez voir en fait ce que ça donne. Vous revenez tout simplement en fait juste avant. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Donc là aussi, effectivement, c'est peut-être un peu, un petit peu dommage parce que, en gros, les deux cas possibles, c'est ce que je viens de faire. Tu appuies sur la QTE, tu accèdes donc à cette phase-là. Donc là, tu choisis. Alors, si je mets attends, gravure sur l'anneau. Non, c'était pas ça. En gros, ça sert à rien, quoi. Enfin, autant qu'il laisse juste la bonne réponse dans ces cas-là. À la après, limite, tu as le truc de ah, c'est cool, j'ai deviné la bonne réponse du premier coup, mais bon. Ouais, à la limite, en fait, si la QTE avait été très rapide, tu avais eu quelque chose à faire, effectivement, ça aurait pu avoir une vraie incidence. Là, c'est vrai que attends, profil de la victime, je crois que c'est ah mince, pas décidément, zut, autant pour moi. Et en plus, c'est long, ça. Si à chaque fois que tu te plantes, t'as 10 secondes avant de réavoir un choix. Alors attends, qui est le propriétaire légitime de cet anneau? Attends, je vais quand même, il est à moi. Bon, sinon on va passer, c'est pas bien grave. Attends, gravure sur l'anneau, jardin, profil, veston de son père. Le veston de son père, moi je pense. Non. Si, veston de son père, attends, voilà. Il fallait demander à un vrai enquêteur. Eh ben, exactement. En plus, en fait, c'est pas comme si je l'avais terminé hier, cette enquête. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc en fait, si vous loupez, si vous loupez les QTE, tout simplement, en fait, le dialogue va se poursuivre. Mais vous pourrez passer à côté de certains indices. D'accord. Sachant que les indices sont quand même très très importants à la fin, justement parce que, comme il faut déductionner, il faut lier deux indices entre eux. Avec les bons indices. Donc voilà, donc si tu n'as pas tous les indices, eh ben, effectivement, tu as plus de chances de passer à côté tout simplement du vrai coupable. De l'affaire. Voilà, exactement. D'accord. Donc, alors ça, je pense que j'aurai un autre interrogatoire tout à l'heure. Mm-hmm. C'est assez sympa aussi. Tu peux, comment dire, pas utiliser un sixième sens, mais le côté physionomiste, en fait, on va dire, physionomiste en fait, de Sherlock, qui peut en fait, voir en fait, certains indices, d'accord, qui peut déduire en fait, un profil de la victime à partir tout simplement de ces événements, en le regardant tout simplement, etc. Mais ça... C'est rigolo d'ailleurs à voir. Parce que... Ouais, oui, oui. Après, je pourrais peut-être vous le montrer tout à l'heure. Alors, vous allez voir. On va... Donc là, par exemple, tu vois un anneau, nanana. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? On va aller ici. Enquêter sur le meurtre de Peter Carey. Alors, on va essayer. Néphénie, tu as une question. Oui, est-ce qu'il y aura. Là, on voit que c'est de l'anglais sous-titré français. Est-ce qu'il y aura une version française? Et si oui, quand est-ce que le jeu va sortir? Êtes-vous au courant? Non. Contrairement en fait, au précédent épisode, tu n'auras pas de version française. D'accord. Tu auras uniquement en fait, une version originale sous-titrée français. C'est pas gênant en soi. Bon, j'aimais bien les versions françaises. Effectivement, c'était des doubleurs connus. Là, moi, ça m'embête pas trop, puisque bon, le doublage anglais est très bon. Et puis, encore une fois, tu as cet accent anglais inimitable qui. Le parfum d'authenticité. Exactement. Qui rajoute vraiment, vraiment à l'immersion. Et on nous a demandé également la date de sortie. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, j'ai dit tout à l'heure. Ce sera le 30 septembre sur tous les supports concernés. D'accord. Donc, à savoir PC, PS4, One, 360 et Xbox One. Et Ouya. Voilà. Donc là, j'espère que je ne vais pas me... Alors, attends, je suis un petit peu bloqué. Je ne sais plus ce que je dois faire. Il faut que tu ailles parler à Carré, non je sais. Non, attends. Donc là, on va retourner. Hop. Donc là, tu vois, en fait, tu vois, il y a un petit picto. Mm-hmm. Donc, un petit picto qui te dit donc, il faut que tu fasses des recherches. Donc là, en l'occurrence, on va aller à Baker Street et on va fouiller dans les archives de Sherlock Holmes. Bien évidemment, pour trouver, tout à fait. Pour trouver quelque chose. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, à tout moment, j'ai accès donc. Tu peux déductionner. Voilà, déductionner, sachant que là, j'ai pas eu de toute façon d'indices supplémentaires. Bon, ça sert pas à grand chose. Voilà. Mais bon, je vous le remontre au cas où vous prendriez ce live en cours. Juste une question, Logan. Les phases d'interrogatoire et de dialogue avec les suspects. Donc, il y a la QTE. Le choix des sujets et l'inspection vestimentaire, c'est tout ? C'est tout. D'accord. Ouais, c'est tout. Et ça t'a pas frustré de ne pas avoir une réelle difficulté à... Dans l'absolu, effectivement, ça aurait été assez sympa s'ils avaient... alors attends, je regarde quand même si... Voilà, c'est ça. S'ils avaient mixé, par exemple, le système, justement, tu parlais d'Elenoir tout à l'heure. Oui. S'ils avaient pris en fait, certains éléments en fait, de Elenoir... C'est vrai que ça aurait été plus intéressant. Après, encore une fois, moi, j'aurais peut-être dû le dire en fait dès le départ. Moi, c'est un épisode en fait, tout du moins en fait, ce que j'en ai vu, ça m'a beaucoup beaucoup plu parce que je connais la série depuis le début. D'accord. Et je vois effectivement en fait, tu peux te rendre compte en fait du boulot qu'ils ont fait. Donc, termes d'évolution de gameplay. Voilà, en termes d'évolution de gameplay, c'est plus ludique. Alors oui, comme tu dis, c'est vrai que on peut trouver le tout un petit peu assisté. Oui.
finalement. Mais c'est pour ça, en fait, que j'attends de voir les autres enquêtes. D'autant que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question tout à l'heure. Tu me demandais s'il y avait un peu de surnaturel, tout oui. ça, etc. etc. Là, donc, en fait, c'est une enquête donc, de meurtre, un meurtre, tout simplement. Il faut savoir que les autres enquêtes, apparemment, tu auras une enquête en fait ça, à propos d'une disparition mystérieuse. Une autre enquête, je crois que je l'avais notée, c'était quoi, je ne sais plus. Je vous le dirai tout à l'heure. Sachant que, j'ai pas précisé ça je crois, cette enquête-là, il faut à peu près entre 1h30 et 3h pour la boucler. D'accord, donc s'il y a 6 enquêtes, on peut espérer une durée de vie d'à peu près 12 à 15 heures. 12 à 15 heures. Après, encore une fois, c'est bon, là, c'est si tu lis tous les documents, etc. Bon, c'est un peu l'intérêt quand même d'un jeu d'aventure. Là, effectivement, on va assez vite. Tu ne vas pas le speedrunner. On va pas un peu le speedrunner. Effectivement, si tu le speedrunnes, je pense que, bon, bah, voilà, une fois que tu connais les enquêtes, de toute façon, voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a quand même pas mal de choses à lire en termes de documents, tout ça, etc., etc. Et on peut imaginer que, de toute façon, plus ça va aller, enfin, j'espère, plus ça va aller, plus les enquêtes seront difficiles. Oui, j'espère. Donc, j'espère. Aussi. J'espère, quoi. Donc là, à nouveau, donc, on revient, comme vous avez pu le voir, donc, j'ai trouvé un nouvel indice. Ce nouvel indice me permet en fait, d'aller revoir un suspect et d'avoir un nouveau choix, tout simplement, une nouvelle entrée, en fait, bah, dans une nouvelle entrée de dialogue, tout simplement. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire autrement en termes de nouveautés, papa. Oui, je ne vous ai pas montré en fait, le sixième sens. Oui. Ça, je vais pouvoir vous le montrer. Vous allez voir, c'est très rigolo. Hein. Si vous imaginez la scène avec Sherlock qui scrute littéralement le personnage de haut en bas. Ah non, parce que ça, en fait, c'est lié à l'interrogatoire. Sixième sens, en fait, je ne sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas si tu te l'as montré. C'est quand tu es sur une scène de crime, tu peux véritablement utiliser un sixième sens pour voir tout simplement des indices que les autres ne voient pas. D'accord. Toi et moi, le premier. Alors, donc là, voilà. Donc et là. Tu peux pas scruter le suspect, là ? Alors là, ça se passe ? Alors, je suis pas. Non, bah là, de toute façon, non, puisque là, tu vois, en fait, je n'ai plus de choix de dialogue. D'accord. Mais je pense que, de toute façon, il va y avoir un autre suspect incessamment sous peu. Je pense qu'on pourra vous montrer ça. Donc là, alors, attends, on va aller voir. Permettra d'établir le lien entre Pita, ta-ta-ta-ta-ta. Pita, Negan et le père, nanana, ok. Alors. Donc on va repartir. Tu vas repartir à Whitechapel ? Non, on ne peut plus repartir à Whitechapel. Attends, je regarde quand même, permettra peut-être d'établir un lien entre Peter et Negan. On va revenir ici. J'espère que je ne me trompe. Ah, j'espère aussi, parce que ça fait 3 fois que tu prends ça la carriole. Ça fait 3 fois que je prends la carriole. Ah bah de toute façon, après, comme je disais, de toute façon, l'architecture du jeu est similaire à celle des épisodes précédents. Tu navigues d'un lieu à l'autre, d'un lieu à l'autre. Il y en a fait, beaucoup là dans cette version. T'en as 3, 4, 5. Exactement. Okay. Sachant qu'ici en fait donc c'est le lieu principal. Bah tiens là par exemple je sais pas si je vais vous montrer quand même ce que voilà donc le sixième sens ça ressemble à ça. Ah ah. Tout simplement. Sens araignée. Voilà et là. Vision c'est d'aigle. C'est un peu ça en plus. Et là tu vois par exemple en fait donc c'est un comment dire c'est un. Une empreinte. Si tu empreintes c'est un indice. Que tu ne vois pas, tu vois, en fait, hop, si je vire. Ah si, tu la vois quand même. Oui, tu la vois parce qu'en fait, je l'ai vue. Donc, en fait, elle si apparaît. Si tu ne déclenches pas le sixième sens, tu ne peux pas cliquer dessus. Je pense que ça se voit moins. Bon, là, en plus, là, tu as la petite icône, forcément, parce que je l'ai vue. Donc, ça aide un petit peu. Mais. Et ton sixième sens, tu peux le mettre tout le temps ou... Tu peux le mettre tout le temps. Ah ouais, donc tu peux jouer tout le jeu en sixième sens. Tout le jeu en sixième sens, ouais. Tu peux faire une adaptation de sixième sens. Quand tu joues en noir et blanc, partout. Mais bon. Oui, alors Néphénie a une question. Oui, alors par rapport à la bande-son du jeu, est-ce qu'elle est intéressante comment tu l'aperçois? La bande-son, c'est-à-dire l'univers sonore et puis les musiques éventuellement présentes comme je disais, en fait... Les doublages sont très bons, apparemment. Les doublages sont très bons. La musique aussi n'a rien d'exceptionnel, mais elle se marie bien, de toute façon, avec l'ambiance du jeu. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Niveau sonore, non, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas ce qui ressort le plus en fait du jeu. Alors donc là, donc là on a trouvé un autre indice. Fantastique. Qu'est-ce que c'est comme indice? Attends que je regarde. Est-ce qu'il a fait une déduction là? Après doute, ces pages ont été arrachées. Ok. Canadian Pacific Railway. Alors là, attends, oui. C'est un billet de train. Ouais. Donc là. Non, c'est une obligation. Alors, attends. Autant pour moi. Alors, attends, pof.
On va... Non, là, en fait, de toute façon, bon, là, tu peux voir en fait, les déductions de Sherlock. Donc, d'accord. On va attendre en fait, qu'il est il terminé. Il parle souvent, quand même. Hein. Il se parle souvent à lui-même. Ah oui, il a des petits problèmes. Il a un petit côté... un petit côté Didi de Scrubs. Un petit côté psycho, un petit peu. Et il papote, en plus... Longuement, ah bah peux, longuement, on l'a coupé, des, on l'a des longues tirades avec lui-même. On l'a un peu coupé comme un malfrat. Alors attends, hop, donc là à nouveau, hein, comme je vous dis, c'est relativement assisté. Faut dire. Ouais. Là, tu vois par exemple, j'ai trouvé un indice. Donc là, tu sais que tu vas dans l'inventaire. Après, tant mieux. Hop, enfin. Tu sais que tu peux, tac, à nouveau, hein, comme je vous ai montré, sachant que, alors attends. Tant mieux, ça s'ouvre à un public beaucoup plus large alors que. Oui, 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 bien sûr. Après, effectivement, les amateurs de jeux d'aventure, peut-être. Les finiront vite, quoi. Prendront ouais, et puis surtout, en fait, ceux qui ont vraiment, vraiment apprécié... attends, il faut que j'aille à Scotland Yard, voilà. Ceux qui ont apprécié, en fait, les premiers épisodes, qui étaient, comme je le disais, hein, je le redis, mais vraiment, vraiment plus difficiles, risquent d'être un petit peu désappointés, à moins, encore une fois, hein, que les autres enquêtes, en fait, soient vraiment, vraiment oui. plus difficiles, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a quand même un... Il y a beaucoup d'assistance, quand même. Au niveau des ouais, enfin, je trouve, au niveau des dialogues, moi... Moi, ça m'a pas gêné du tout parce que je trouve que le plaisir de jouer, en fait, tu profites davantage. Bah, c'est une autre vision, si je puis dire, en fait, tout du moins dans cette enquête. Tu profites vraiment de l'enquête, d'accord. De l'ambiance, tout simplement. Là, tu vois, on l'a. Alors, si je ne m'abuse, non, attends, hop, c'est. Mais tu ne t'abuses pas du tout. Je ne m'abuse pas du tout. Je crois que c'est ici qu'il faut que j'aille. Donc là, nous avons les affaires. Hop, voilà. Et on va. Il a un couteau. Faire... C'était le couteau qu'il a trouvé en fait sur le lieu du crime. Attention. Attention. Oui, petite Est-ce question. Est-ce qu'on peut se promener en mode libre sur le jeu? Est-ce qu'il y a une liberté d'action à ce niveau-là? Par rapport non, au bonne premier, question. Où c'était possible à part Non, du coup. Tu ne peux tout, pas te balader de Scotland Yard jusqu'à Whitechapel tranquillement? Ah bah là, en fait, tu peux... là, je vous ai montré... C'est des zones très closes. Ouais, je vous ai montré à plusieurs reprises, effectivement, le... comment dire le poste de police. De la Scotland. Map, on va dire. Oui. Et tu peux uniquement, en fait, te balader... entre les endroits qui sont tout simplement disponibles sur la map. Voilà. D'accord. Donc là, par exemple, vous voyez, en fait, donc là, j'ai mis un autre indice. Donc j'appuie sur B. Je retrouve mes petits indices. Alors on va voir ce que ça donne. Documents manquants, disparition, nanana. Donc là, je ne suis pas certain à nouveau que je puisse, de toute façon. Hop. Tu ne peux pas lier ? Tu ne peux pas lier, l'eau ? Je ne peux pas lier des indices. Tu ne peux pas lier les indices pour le déductionner correctement. Ah si, je peux. Tu vois, j'ai lié deux indices. Donc là, à nouveau, je vais aller sur l'indice. Donc là, je n'ai qu'une supposition. Donc là, hop, je vais la prendre. Mais bien évidemment, donc vous voyez, en fait, donc là, ça me mène... Ça fait un joli cerveau. Voilà, donc là, deux indices qui sont liés entre eux. Et là, je vais pouvoir déduire, tout simplement. Donc, il est possible que John et Lian étaient prêts en train de voler. Voilà, exactement. Tac. Sachant que, encore une fois, au fur et à mesure en fait, que je vais avoir des indices, si je veux, en fait, tu vois, en fait, hop, si j'avais eu, par exemple, deux suggestions, si j'avais pris une note... Effectivement, deux indices, c'est deux, enfin l'indice donc que je te montre, c'était pas certain en fait qu'il soit lié avec celui-ci. C'est vraiment en fonction en fait des déductions que tu fais que les indices vont se lier entre eux. D'accord. Encore Est-ce que fois. Tu peux lier un indice à plusieurs indices? Non, ils se lient automatiquement. D'accord. Enfin, si tu veux, là en fait il y a ces deux indices qui se sont liés, donc ça te donne en fait donc ce gros c'est indice, on va dire. Et après donc cet indice va se lier avec un autre. Et tac, après, ça va t'amener véritablement vers la conclusion de l'enquête. D'accord. Voilà. Donc là, hop, on l'a vu. Alors, on va poursuivre. Que je re-regarde, en fait, ce qui me restait à faire. Donc là, tu vois, j'ai un choix de dialogue, un titre de créance, pop, silicone. Donc là, comment ça se passe? Tu as le picto, donc ça veut dire qu'il là, faut j'ai que picto. Tu fasses quelque chose avec cet indice. Voilà, donc là, en fait, tu as le petit picto discussion, tout simplement. Donc, si je ne dis pas de bêtises... ici, est-ce que c'est John Nelligan? On va voir tout de suite, hein, de toute façon, si c'est à lui en fait, que je dois parler, si je crois que c'est à lui. Voilà, c'est à lui. Alors, je vais quand même essayer en fait, de faire en fait, ce que tu me demandais. Oui. Je suis... Ah, si, tu peux le faire, voilà. Bon, là, je l'ai fait. Là, je l'ai fait à nouveau. Regardez donc, comme là, c'est drôle. Voilà, imaginez donc... un petit peu Sherlock Holmes en train de scruter un suspect. Mais non, mais il a un... C'est l'œil du tigre, tu vois. L'œil du tigre, c'est l'œil du tigre. Donc, en fait, il n'a pas besoin de bouger. Bon, là, par contre, effectivement, pour voir entre les jambes du mec, on peut dire, effectivement, voilà, ça, qu'il, là, mais... qu'il a les yeux baladeurs, on va dire, il tu vois. Il voit un bouton élaboré par là. Voilà, et donc, l'idée, tu vois, en fait, bah, c'est de voir... Bon, c'est pas très, très difficile non plus. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est plutôt sympathique. En plus, ça permet en fait de profiter voilà du moteur graphique c'est aussi pour ça hein, je pense parce qu'ils étaient quand même assez fiers en fait de ce qu'ils ont fait d'un point de vue graphique qui je le rappelle c'est quand même il y a une vraie avancée une véritable avancée par rapport au précédent épisode hein. Donc certains trouveront ça peut-être enfin trouveront le jeu peut-être bon
sympa, sans plus graphiquement. C'est vrai que pour la série, il y a quand même une nette avancée de ce point de vue-là. Quoi. Mmh. Et voilà, donc là, l'idée, bah, c'est tout simplement de faire le tour de la personne, de checker pour voir éventuellement bah, si tu ne peux pas trouver effectivement des indices qui vont te permettre... Ouais. Ça veut dire quoi ça peut te servir, tout te sert ou... Je sais pas, peut-être le fait qu'il a eu une relation avec trois hommes, je sais pas. Je sais pas. Bon bref, okay. Là donc, tu vois en fait on a un autre indice. Merci à notre réalisateur. Donc à nouveau, donc, la discussion se poursuit. Est-ce que si tu n'as jamais fait les Sherlock Holmes, tu peux tenter ton aventure avec celui-là? Ah oui, complètement. Oui, d'accord. Complètement, parce que de toute façon, les jeux Sherlock Holmes, de toute façon, en fait, c'est comme les romans Sherlock Holmes. Tu as des crosses, enfin, tu as des t'as pas comment une dire... timeline de Non, tu as toujours, en fait, bon, tu as des personnages qui peuvent revenir, en fait, d'une histoire à l'autre, notamment Moriarty, que tu trouves dans certaines histoires, mais tu n'as pas un fil rouge. Oui. En fait, Conan Doyle avait écrit, en fait, plusieurs histoires, a écrit un paquet, même, d'ailleurs, mais voilà, mais même si tu n'as pas lu, en fait, une précédente, les premières... Rien ne t'empêche en fait de lire les suivantes. D'accord. C'est exactement pareil en fait pour les jeux. Alors là, on va essayer donc obligation. Donc je pense que oui, c'est le nouveau. Ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il y a aussi une petite nouveauté aussi dans celui-ci. Bon, c'est pas c'est marrant. C'est plus marrant qu'autre chose. C'est le fait de pouvoir te déguiser. C'est vrai? Oui, tu peux te déguiser. Alors tu pouvais te déguiser aussi dans les précédents épisodes. Et tu peux te déguiser en quoi? Pour les biens de l'enquête? Pour le bien de l'enquête. Ah ouais, par exemple, à un moment, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ça, à un moment, en fait, tu vas avoir un suspect qui est marin, et donc tu vas devoir aller lui parler. Bien évidemment, tu ne vas pas aller en fait, lui parler en fait, comme ça. Il faut y aller en marin. Il faut y aller en marin. Tu connais bien ça, voilà. Toi qui es breton. Bah, il faut venir déguisé en breton. C'est pour parler en breton. Pour raconter des couilles. Il parle pas au mec qui en est renard. Donc, mais ça, je pourrais vous le montrer très facilement. On va juste regarder cet indice. Alors, une liste de l'équipage, tata, figure, les pages d'août ont été arrachées. Néphénie, si tu as une question, n'hésite pas. Ouais. Qu'en oui, pensent Yorg... les gens? Est-ce que les gens adorent ce jeu? Alors, les gens le trouvent un petit peu mou et il est un peu répétitif, là, apparemment. Ah bah c'est un jeu d'aventure en même temps. Donc. Jeu d'aventure. Et Yorg, Yorg demande si un game over est possible au niveau des déductions finales de l'enquête. Une très bonne question. Je ne pense pas. C'est-à-dire en fait que tu as radié le barreau des détectives privés. Moi, en fait, quand j'y suis arrivé, j'avais le choix en fait entre trois suspects, je crois. Bon, j'ai pris le bon. Non, je pense qu'effectivement, si voilà, tu. Alors, ça peut être intéressant effectivement de voir ce qui se passe quand tu choisis en fait un faux coupable, si je puis dire, tout simplement. Mais je pense que ce n'est pas pour ça en fait que tu vas avoir un game over. Je pense que voilà, tu t'es loupé en fait sur une enquête. Hop, tu passes à l'enquête suivante, a priori. Mais à nouveau, oui, ça effectivement, faut c'est faut je ne sais pas en fait si les voilà si les enquêtes seront liées entre elles et s'il y aura un véritable comment dire. T'imagines si le mec c'est le plus mauvais détective, genre ça fait 5 affaires qu'il foire et les gens viennent quand même le voir pour lui proposer. À la 6e enquête, ouais, on a appris effectivement qu'il avait envoyé 5 mecs en fait qui a rien à se reprocher en tôle. Mais bon, vous prenez pas cher, donc on s'est dit que c'était peut-être pas mal de faire appel le à vous. Le gros naze. Non, mais ça, effectivement, ce sera quelque chose à voir. Mais c'est, je suis désolé de ne pas avoir la réponse à cette question. C'est insupportable, Logan. Tu aurais dû finir le jeu en entier, même avec cette version tronquée. J'aurais dû. Donc là, à nouveau, bon, on va passer les dialogues hein, pour que ce soit c'est un petit peu monsieur, plus rapide. C'est Watson. Là, c'est Watson. Ah, c'est toujours Watson. Justement, d'accord. Voilà. Alors, donc là... Il fait vraiment rien à part il fait lire pas son... grand chose. Ouais, il boit son café. Tiens, je vais quand même vous montrer, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ça avant la fin de ce live. Hop. Alors, est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez. Donc là, je peux choisir uniquement donc, les complets. Swaggy quand même. Alors, ce qui est un peu bête, c'est que tu vois, par exemple, là, ces costumes-là sont bloqués. Et là, par exemple, le costume du marin est bloqué. Donc, en gros, le costume du marin, tu ne peux l'utiliser qu'à que dans un moment donné. D'accord. Tu vois, donc, bon, mission. C'est plus gadget qu'autre chose. Mais encore une fois, ils ont rendu, si je puis dire, en fait, cette fonction un tout petit peu plus ludique par rapport aux autres. Tiens, pour te faire plaisir, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Attends, on va changer de. Tiens, on va tu mettre. Tu peux te mettre en tenue de sortie boîte de nuit. Non. On va... par contre, est-ce que je peux rajouter. Attends, on va voir. Excellent. Cheveux et chapeaux. Ah non, tu vois, en fait, c'est bloqué aussi. Oh là là, tu peux avoir des coupes de cheveux vraiment bizarres. Ouais, tu peux avoir une coupe afro, notamment.
Non, je plaisante. Non, tu ne peux pas avoir une coupe à prendre. Ah, le petit béret. Ah, ben le petit béret. Ah, il faut vous le dire quand même, parce que Logan a tout l'attirail. Il a le béret. Oui, c'est vrai. Le béret et la pipe, mais il n'a pas voulu le mettre pour le direct, parce que ça allait le décoiffer. Mais en tout cas. Mais ils l'ont vu sur l'accroche. Tiens, regarde. On l'a mis sur l'accroche. Donc là, par contre, tu vois, tu peux. Ah, t'as une belle barre. Ouf. On dirait Anagoun. Anagoun au matin. Le matin. Voilà, donc t'as quand même un petit choix en fait, de barres, de cheveux, etc. Voilà, genre de choses. Ah ouais. Sauf que, bon, là, encore une fois, c'est bloqué, donc tu ne peux les utiliser que lorsque tu as véritablement besoin de te, bah, de te grimer, tout simplement. D'accord. Votre costume, résolvez cette enquête pour... confirmer. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on va regarder à nouveau, hop, dans l'inventaire, ce que je dois faire. Pouf, bim, bam, boum. Tac. Alors, Wiggins peut peut-être m'aider à trouver l'équipage du Seacorn. Il va être quelque part à Baker Street. Ah, Baker Street. Okay. Effectivement. Donc là, on va aller, si je ne m'abuse, hop. Ouh. C'est ici. Oui, donc je reviens en fait rapidement. Ah, mais il y a Toby. Et ouais, il y a Toby. Tu peux rien lui faire, malheureusement. Oui, je reviens sur le dynamisme en fait, donc du jeu. Bah, de toute façon, en fait, les jeux d'aventure sont pas réputés pour un dynamisme. Enfin, tout du moins les Sherlock. Hein. Ça, c'est sûr. Après, le côté répétitif, il est pas vraiment là puisque si vous connaissez, enfin, il est pas vraiment là. Oui, non. Mais si vous connaissez les autres épisodes, bah, l'architecture à nouveau est véritablement la même. Donc, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que par rapport à d'autres jeux d'aventure, enfin plus point and click là, encore une fois, c'est pas du point and click, c'est du jeu d'aventure. Oui, effectivement, c'est plus dirigiste finalement, parce que comme on a vu, voilà, tu ne peux aller que d'un lieu à un autre sur la map, les lieux en fait que tu as débloqués. Donc de ce point de vue là, effectivement, ça peut décevoir. D'accord. Oui, question. Oui, Majestic demande si pour rejouer les enquêtes, il faudra refaire tout le jeu ou si tu peux les prendre indépendamment. Une fois que tu as booké une enquête, ouais. Si tu veux, en fait, c'est ça ? Oui. Si on peut la refaire. Alors là, à nouveau, malheureusement, vu la version qu'on a, une fois que j'avais bouclé l'enquête, je ne pourrais rien faire. Je pouvais juste en fait, reprendre en fait, une nouvelle partie. Bonne question, ceci dit. Après, bon, l'idée, de toute façon, c'est que, comme je ne sais pas en fait, s'il y aura en fait, véritablement une interaction entre les différentes enquêtes, je ne sais pas effectivement s'il y aura véritablement un intérêt à reprendre l'enquête une fois que tu l'as terminé. Quoi. Donc, hop, on va aller à Scotland Yard, à nouveau voir l'estrade. Petite blagounette, Pantin ? L'estrade, le vampire. Ah, ah non. Et une autre réelle qui suit pas. Bravo. Ah, vraiment, bravo. Génial. Sans déconner, on te fait la blague la plus nulle de la journée, tu ne balances même pas le. Le mec qui s'est endormi. C'est vrai qu'elle est bien. Ouais. Non, elle est trop bien. Très bonne blague. Donc là, hop. Ah bah tiens, je vais peut-être voir en fait un nouveau suspect. Peut-être, je dis bien. Alors comme Peut-être je disais, j'ai vraiment l'impression effectivement en fait qu'ils sont tous malades dans ce jeu. Bah oui, c'est vrai qu'ils ont un peu le ils regard ont le teint blafard, le regard vide. La torve. Ouais, c'est un peu gênant quand même, mais bon. Ah, on me demande s'il y aura un DLC Robert Downey Jr. Évidemment. Ou Benedict Cumberbatch. Pourquoi pas? Ah oui. A priori, c'est pas prévu, du moins pour l'instant. Est-ce que tu peux parler avec la pipe dans la bouche? Tout à fait, ça demande de l'entraînement. Ouais, ouais. Ça demande de l'entraînement, mais je peux le faire. Donc là, on va avancer en fait le dialogue. Ah, mais non, on va pas l'avancer parce que je ne peux pas l'avancer, c'est une cinématique. Ah, tu peux donc, pas zapper les cinématiques. Non, tu es obligé en fait d'écouter et de lire l'estrade. D'accord. Voilà. L'estrade, mais le pauvre. T'imagines avoir un nom comme ça? Ah, c'est pas pire que Ben Simon. Enfin, je veux dire, là, si tu vas par là, je veux dire, je vois pas où est le problème. C'est pas faux. Alors attends, hop, on va encore examiner. On va encore examiner des. Là, ça fait plus petite maison dans la prairie quand même. C'est vrai, ouais. C'est assez horrible. Alors attends, hop, voilà, paf. Donc là, ah bah voilà, tiens. Donc là, on a d'autres effets personnels. Alors, comme vous pouvez voir aussi, tiens, à nouveau, toujours dans cette, comment dire, cette, je trouve pas le terme exact, dans cette aide, on va dire, si tu veux, en fait, tant que c'est bleu, ça veut dire en fait que quand c'est bleu, tout simplement, tu peux faire quelque chose, quand c'est vert, ça veut dire en fait que tu n'as plus rien à faire, tout simplement. D'accord. Donc là, d'ailleurs, tiens, il va y avoir aussi un mini-jeu, je pense que je pourrais te le montrer, ça. Au mini-jeu, je te propose pas ma pipe, je l'ai mâchonné toute la journée. Alors, donc, on va aller interroger le nouveau suspect. Bah tiens, on va voir un nouvel interrogatoire. Allons-y. Propose-lui ta pipe. Une petite pipe ?
Hop, attends, tu vas voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est derrière les barreaux? Oui, il est derrière les barreaux. Alors, hop. Donc là, vous allez pouvoir voir véritablement ce que ça donne. Donc, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Ce qui va me permettre tout simplement de dresser le profil du suspect. Je vais dresser le profil. Je vais dresser mon Je vais faire un portrait robot. Un portrait robot. Oh là, il va lui casser. Il va lui casser la gueule. Inspecteur Lestrade m'a dit que c'est ridicule. Lui, il n'a pas l'air malade, l'autre là. Et bien mon cher. Ouais. Ouais. Ce qui est étonnant, parce qu'en fait, c'est les personnes qui sont les plus aisées, en fait, qui sont les plus malades. En fait, enfin, tu me diras... Oh, attention, tu marches sur ma souris. Tu marches sur ta souris. Oui. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, en fait, ceci dit, en fait, avec les, ouais, avec les... Comment dire? Les quantités de thé que s'envoie Watson, forcément, au bout d'un moment... Les problèmes de santé arrivent Les problèmes de santé, quoi. Des petits problèmes de santé. Ah, attends, il y a une petite cicatrice. Il est mal... Il est mal coiffé. Alors, donc là, hop... On va aller. Les cicatrices. Hop, hop, hop. Tac, on va descendre, on va descendre. Il a un problème aux mains, apparemment. Tac, il a, il a des mains de jardinier, je suis en train il de. Il a des mains de jardinier. Je suis sûr qu'il a des mains de jardinier. Ah, bah, tu vas voir. Alors, attends, le dernier, c'est. Les mains de jardinier. Alors là, comme vous pouvez le voir, par exemple, bon, il faut. C'est pas très, très compliqué, mais il faut juste trouver le. Les mains de jardinier. Les mains de jardinier, mais je ne sais pas si. Attends. Bah, au niveau de ses mains, sûrement. Ouais, ouais, mais. ouais, je cherche au niveau de la tête, c'est pour ça. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Oui, sauf que. Attends. Ah oui, comment tu gères ça? Non, parce qu'en fait, gauche-droite. Non, non, là, tu vois, je suis arrivé en fait au point de départ. Au point de départ. Et du coup, en fait, tu fais droite et ça te fait un rail pour aller. Ouais, tout simplement. Tout D'accord. Simplement. Je croyais que tu pouvais. Par contre, alors attends. Faire une double esquive. Attends que ça. je regarde Q, donc je suis. Ça n'a pas l'air facile. Si, mais là, attends, vieille cicatrice. Ah bah, je l'avais vu celle-là. Si, oui, tu l'avais vu. Non, non, il te manque que les mains de jardinier en fait. Ils sont au niveau des mains après les avant-bras. Ah bah voilà, mais je sais pas comment je les ai loupés. Je les ai loupés tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, donc là t'as le portrait complet. Et c'est tout. C'est tout. C'est à peu près tout. Franchement, bravo. C'est à peu près tout, mais non, c'est pas tout. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça sert. On va revenir. Hop. On dirait que j'ai un cosplay de Lafouine. Non? Non, je trouve en fait que tu ressembles plutôt à Carrie en fait de la petite maison après. C'est vrai. Ouais. Il y a un petit air. Ouais, il y a un petit air. Là, ça c'est le nœud. Ouais. Alors donc on va revenir là où tout a commencé. Et je vous montrerai en fait juste mais après. Tu fais beaucoup d'allers-retours hein, quand même. Ah, c'est ouais, dingue. Mais c'est, bah, en même temps, c'est un peu le but. Tes frais de calèche doivent être. C'est le but assez dingue. D'une enquête. Bah, j'ai ma T'as pris la carte. J'ai ma propre calèche. j'ai ma propre calèche. Qu'est-ce que tu crois? Hop, voilà, donc là, normalement, tac, tu vois, donc un nouvel indice. Donc, à nouveau, on va partir, donc. Oula, elle a pas l'air très sympa, elle. Et pourtant. Sherlock transpire passer... beaucoup, quand même. Non en même temps, pour un mec, en fait, qui carbure à la morphine, c'est voilà, quoi, ça aide pas, quoi. Et qui se balade 8 fois par jour d'endroit de la ville en endroit de la ville. Donc là, alors, attends, mini-jeu, tac, on va revenir à Baker Street. Ouais. Baker Street. Donc là, bien évidemment, vous avez vu, hein, vous avez les portraits. Mm-hmm. Donc là, tu as rencontré la vieille dame. Donc, la vieille dame, donc là, tu as des petites informations qui peuvent t'aider éventuellement aussi oui. hein, à résoudre la carte. Et là, on va revenir directement à Baker Street où je vais vous montrer un mini-jeu. Ah. Donc, mini-jeu que tu peux passer. Bon, ce mini-jeu-là, encore une fois, il n'est pas bien compliqué. C'est le bras de fer. Non, c'est Bob. Bras de fer contre Watson, c'est le truc qui ne sert à rien. Pour avoir accès à ta table de chimie. C'est ça. C'est pas le truc où tu jettes un harpon sur. Non, je l'ai fait justement. J'ai commencé en fait mon live ici, enfin notre live ici. Non, là c'est une petite expérience de chimie. Voilà, donc ça aussi on retrouvait dans les précédents volets. Bon, c'est pas bien compliqué. Au pire, de toute façon, si je me loupe, comme vous allez pouvoir le voir, on peut passer de toute façon à le mini-jeu. Mmh. Alors, donc là tu peux voir en fait ce que ça donne. Il faut utiliser les 7. Donc, bleu, il faut 2 entre chaque jaune. Entre le bleu et le jaune, ok, bon, ça va. Même toi, t'as compris. Moi, j'arrive pas trop, là. Alors, attends, donc on va essayer. Vas-y, mets du bleu. Hop, donc, voilà. On va mettre du bleu. On va mettre un peu de jaune. On va mettre un petit peu de vert. Ah, mais non, parce qu'en fait, il faut 2 entre. Il faut, ah, si, d'accord, il faut 2 trucs. Il faut 2 trucs. Okay. Il faut utiliser en fait les 7 fioles. Entre le bleu et le jaune, il faut automatiquement 2. Et remets du bleu. Et donc, on va remettre. Non, parce qu'en fait, sinon, après, il y aura un. Non, attends. Là, j'en ai mis 2. Donc là, on va mettre.
Mais non, mais pas du jaune, t'en as besoin de deux. Attends, je sais plus. Tu m'as. Non, j'ai mis le bleu, j'ai mis le vert. T'as mis le vert, donc mets du violet. Mets le bleu. Je remets le bleu. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, mais tu m'avais perturbé. Mais non. Je crois qu'il y avait une autre couleur. Et après, tu mets du jaune. Je mets du jaune, et après, on va mettre le blanc, et le jaune et le bleu. Voilà. Et donc, comme y a je pas dis, là. Il est. Si, enfin, du blanc, de l'eau. Du bleu clair. Ah, c'est encore le jaune. Du bleu clair, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Hop, voilà. Et après, on va finir par le jaune et par le bleu. Voilà. Ah oui. Enfin, par le bleu. Par le clair, quoi. Le bleu clair, quoi. Voilà. Autrement appelé transparent. Et hop, cul sec. Et voilà, hop, à Watson. Pour parler de l'extrait. Tiens, dans ton thé, bonhomme. Il teste tout sur Watson. Voilà, donc là, tac, on a. Donc là, ça va nous amener à un petit jeu. Enfin, un petit jeu. Non, c'est pas vraiment un petit jeu. Tu vois, en fait, ça va te permettre de. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Eh ben, de. J'astique mon mouchoir. T'astiques le mouchoir sur la cale de la lampe. Ça aussi, c'est des petits, des mini-jeux en fait qu'on trouvait dans le précédent. Qu'est-ce que c'est en fait? Il a fait une tâche avec le réactif que t'as fait pour lire un truc. Non. En fait, il avait pris un indice où il y avait une tâche de sang. Et donc du coup, après, en fait, avec le réactif qu'on a créé, ça te permet de d'effacer le sang. Ouais. Alors attends, par contre. Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Il fallait cliquer. Je me disais si ça fonctionnait beaucoup moins bien. Voilà. Ça va marcher beaucoup moins bien. Voilà, donc là, il manque plus de la petite tachounette. Elle est où? Elle est où? Non, attends, il faut... Ah non, tu peux pas lire tant que tu n'as pas effacé la dernière tachounette. Voilà. Là, j'ai effacé la dernière petite tachounette. Oui. Petite question. Oui, Simsonien demande s'il y a un lieu qui présente une route de façon à faire des courses-poursuites. Des courses-poursuites? Ce n'est pas GTA. Quelle drôle d'idée. Est-ce qu'on peut braquer des banques? A priori, non, je ne pense pas. Non. Courses-poursuites en calèche, ça serait tellement bien. À base de QTE, un truc de fou furieux, tu sais. Ah oui, tiens, d'ailleurs, attends. J'ai oublié. Pour l'instant, non. J'ai un nouvel indice, donc on va voir ce que ça donne. Lettre de Hurley. Tentative d'effraction, document manquant, pas de jardinier, ça je suis pas certain. Non. Bon, attends, on y reviendra de toute façon. On va juste revenir, si vous me le permettez. Mais je te le permets, donc, même si tu n'as plus beaucoup de temps pour ce direct. J'ai plus beaucoup de temps, donc on va. Prends la clé, sort. La boule. Sinon la boule va venir te chercher. Alors oui, après effectivement, ça c'est un petit peu dommage aussi qui est. La boule. La boule et accessoirement aussi pas mal de temps de chargement. Ah oui. Tu vois, en fait, mais ça c'est masqué, tu vois, t'es en calèche donc on masque le chargement. Oui, c'est non, mais ça c'est aussi pour ça. D'autant que lors en fait de ces temps de chargement, tu peux justement regarder ton carnet. Déductionner comme un ouf. Donc là. Tu peux faire léviter des bottes. Voilà, donc là par exemple, tu vois, si je ne l'avais pas fait. Je peux aller interroger à nouveau le suspect. En disant là, que ces bottes. Voilà, cet indice-là va permettre tout simplement d'avoir un nouveau choix de dialogue avec Hurley. Alors je pense que voilà, donc là tu vois, en fait ça me donne un nouvel indice. À nouveau, tac, je le choisis, pop, bim, bam, boum. Ça a l'air quand même assez costaud. Hein. Enfin, il faut faire des allers-retours, il faut tester des indices, il faut interroger les gens. Enfin, un jeu d'enquête, ouais. Oui, c'est un jeu d'enquête. Ouais. Tout à fait. Non, mais c'est rudement bien pincé. C'est rudement bien pincé. Hop, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Des questions un peu farfelues. Non. Y aura-t-il un sex shop, un hôtel des ventes, ce genre de choses-là? Un sex shop et un hôtel des ventes. Et pourquoi pas des instances, des raids? Mais tiens, pourquoi pas, tiens. Des raids en course-poursuite. Des raids d'enquête. Des raids d'enquête. Tu lâches 2000 Sherlock. Ouais, non, pas de sex shop, visiblement. A priori, non. Peut-être une maison close. Tout du moins, en fait, pas dans cette enquête. Après, je rappelle qu'il reste encore 5 enquêtes. Ah. Donc, why not, comme on dit. Voilà, donc là, après, effectivement, bon, c'est la construction est relativement basique. Ah bah tiens, non, zut, en fait, je voulais me louper, bon, malheureusement, pour vous... Harponne-le. Bah si, tiens, attends, Whitman, hein, j'ai pas mis les pieds. Tiens, on va prendre un mauvais indice. On va prendre un mauvais indice pour voir, en fait, je vais quand même vous montrer ce que ça donne quand on se loupe sur la QTE. Mm. Parce que ça peut arriver. On est distrait, en fait, on a une gauche, attaque cardiaque, on a de l'arthrite, tout ça, je sais pas. Eh ben non, tu vas voir, en fait, donc là, on va dire que je me loupe sur la QTE. Restons-en là. Restons-en là, tout simplement, tu vois. D'accord, ouais. Donc et encore, je suis en train de me demander, tu vois. Attends, on va choisir donc un autre choix de dialogue. Blablabli. Ouais, encore, j'ai l'impression que... Est-ce que tu peux passer, tout simplement? Je ne suis pas certain.
Harponne-le. Non. Attends, on va voir, parce que là, en fait, j'ai choisi l'autre choix de dialogue. Mais je ne sais même pas, en fait, si tu peux, tu vois, si tu peux véritablement tu peux. Passer. En fait, il ne peut jamais foirer quoi que ce soit. A priori, non. A priori, non. Donc là, du coup, effectivement, l'utilité... J'adore toujours aller voir des PNJ dans les jeux vidéo et leur dire « Ouais, parlez-moi de... » Ah non, en fait, abandonnez. Mais non, mais c'est vrai qu'en fait, l'intérêt de la QTE, bon, est pas très, très, oui. Très, très utile. Comme l'intérêt du multi-choix, ouais. Au final, il n'y a rien de pénalisant, ouais. En fait. Bah, c'est pour apporter, effectivement, un petit côté plus ludique. Ouais. Plus accessible aussi, peut-être. Plus accessible, oui et non, puisque de toute façon, comme on a vu, que tu la loupes ou pas, effectivement, si tu la loupes, bah, t'as quand même le choix de dialogue. D'accord. Donc, dans tous les cas, si tu reprends ce choix de dialogue, tu as à nouveau la QTE. Et donc, bah, voilà, si tu te loupes, à nouveau, c'est une boucle sans fin. Ouais. Tu vois. Donc voilà, on va dire que c'est pour rendre ce qui existait déjà un petit peu plus ludique, un petit peu plus sympathique, quoi, tu vois, visuellement. Mmh. Ouais, sinon, globalement, t'en penses quoi? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé. Moi, d'accord. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Tu le conseilles? Enfin, on verra bien, parce que là effectivement, techniquement, il y a vraiment un bon... Il y a des très très bonnes idées de gameplay, les déductions, etc. Le fait qu'on puisse se tromper, tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, bah, il faudra voir encore une fois ce que donnent les enquêtes. Cette première enquête, moi je l'ai trouvée plutôt pas mal puisque elle fait intervenir pas mal de suspects. Donc je crois qu'il y en a trois qui sont quand même qui ont un caractère, tu vois, bien trempé. Bah, le marin, tu as le jardinier, en fait, qui a quelque chose en fait à se reprocher, mais voilà, tu sais pas trop quoi, etc. Donc après, tu as le gamin aussi qui est pas tout blanc, parce qu'effectivement, voilà. Et c'est ce qui est intéressant, finalement, tu peux, on va dire facilement, oui et non, tu peux te tromper, effectivement, parce que les trois suspects, finalement, en fait, ils ont des liens, ils ont des alibis, ils ont des trucs, etc. Mais tu as des liens, effectivement, entre les trois, et effectivement, tu peux te tromper au final. Et du coup, ben. Bah, passer pour un gros noob, quoi, tout simplement. C'est un peu ça. Mais mais la vraie question, effectivement, ce sera de voir tout simplement si ça a une vraie utilité sur les enquêtes futures et puis si ça a un impact, tout simplement, aussi sur tes choix, sur ce que tu feras après dans les cinq autres enquêtes, quoi. Ok. Voilà, voilà. Bon, bah, je te remercie pour cette magnifique présentation d'une heure en exclusivité France des nouvelles aventures de Sherlock. Bah, je t'en prie. C'était formidable. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que je vais y jouer, moi, tiens. Je ne pense pas, non. Mais je ne pense pas. Quelque chose me dit non. Quelque chose me dit que c'est type, bon, mais je t'ai scruté, en fait, durant tout cela. Voilà, c'est pour ça. T'as vu ma position. Voilà. Oui, alors merci à Lorient 56 et The Mentalist qui m'ont aidé à trier les questions. Et merci à vous d'avoir participé en posant vos questions. Formidable, bon, toi, merci également. Merci à Yaya, à la technique. J'ai plus de micro. Non, t'as plus de batterie. Ah mince. T'as plus de micro. Merci à Yaya, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite sur Gaming Live pour Memory Card qui jouera qui à Madden, Madden et à Infamous First Light. Voilà, on vous remercie. Exactement. Tout est dit. Ciao tout le monde. Salut.